Frères et sœurs, en cette année de la foi et en ce troisième dimanche de carême, nous continuons notre cycle de conférences donné cette année par le canal 23 et l'ensemble de ses vicaires généraux. Notre cardinal ayant déjà rejoint Rome pour les rencontres des congrégations et pour le futur conclave, nous l'assurons de notre prière, ainsi que l'ensemble du Collège des cardinaux. Lors de la première conférence de carême, Mgr Bruno Lefebvre-Pontalis nous avait mis devant la foi comme un don de Dieu. Et il avait introduit sa conférence par la question posée aux catéchumènes : que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi, qu'est-ce que la foi ? La vie éternelle. Dimanche dernier, l'acte de foi nous était présenté par l'acte de croire en l'Église sainte. Et la Vierge Marie, par sa sainteté, nous donnait à percevoir ce reflet de la sainteté de Dieu qui resplendit sur l'Église alors même qu'elle est formée de pécheurs. Aujourd'hui, Mgr Renaud de Dinchin nous fera contempler les chrétiens, lumière du monde. Il le fera à partir du récit de la vocation d'Isaïe. Il nous fera ainsi entrer dans le choix de Dieu et dans cette transformation radicale du rapport des croyants au monde au regard de l'incarnation du Verbe de Dieu. Avant de lui laisser la place et de le remercier pour cette conférence, je vous rappelle qu'à l'issue de cette conférence, il y aura un temps d'adoration méditée qui nous permettra alors, devant le Saint-Sacrement exposé, de pouvoir reprendre cette méditation de Mgr de Dinchin. Et je salue chaleureusement les auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO, ainsi évidemment que vous tous qui êtes présents à la cathédrale. Chers frères et sœurs, chers auditeurs de France Culture, de KTO, de Radio Notre-Dame. Mon propos de ce soir s'inspire, cela vient de vous être dit, d'un récit de l'Ancien Testament que l'on trouve au chapitre 6 d'Isaïe, que l'on a coutume de nommer la vocation d'Isaïe. Au chapitre 6, le prophète raconte sa propre vocation. Cela se passe en songe, une vision, et il décrit. Il est dans le temple du Seigneur, et voilà ce qu'il dit. « Je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et il siégeait. Les pans du manteau royal descendent jusqu'au sol, et la fumée emplit le temple. Deux séraphins, deux anges, se tiennent au-dessus du trône et chantent la louange de Dieu. Si belle soit cette vision, le prophète est rempli d'effroi. Sa conscience est mise en alerte et se réveille en lui un sentiment douloureux de culpabilité qui lui fait s'écrier « Malheur à moi, je suis un homme perdu, je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'une génération aux lèvres impures et mes yeux ont vu le Seigneur de l'univers. » On peut s'étonner qu'une telle vision de la beauté de Dieu ne suscite pas l'admiration et la joie, mais provoque l'effroi et la douleur. Malheur à moi, je suis perdu. La lumière divine n'est-elle pas une lumière bienfaisante ? N'apporte-t-elle pas apaisement et consolation?
La lumière divine se satisfait-elle d'appuyer là où ça fait mal? Car visiblement, un choc se produit au sein de cette jeune personnalité, Isaïe. En sa conscience, deux réalités apparemment contradictoires se rencontrent et s'excluent, la beauté de Dieu et son indignité personnelle. Est-ce vraiment incompatible? Écoutons la suite du récit. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Et j'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Moi, je serai ton messager, envoie-moi. » À la douloureuse épreuve de vérité succède ainsi la purification du futur prophète par la braise que l'ange passe sur ses lèvres. Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. C'est le moment du feu purificateur. Et là, aucune douleur n'est mentionnée, mais la libération. Libération. Aussitôt purifié, le prophète entend. Et il y a bien en l'homme, on le voit, une écoute intérieure qui se trouve obstruée par le péché. Il y a bien, dans la miséricorde, une libération qui rétablit la capacité d'entrer en communication avec l'autre. Car c'est après ce feu purificateur que le jeune Isaïe peut entendre la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? » Et la réponse du jeune Isaïe « Je serai ton messager, envoie-moi. » Chers amis, cette confidence du prophète Isaïe m'inspire quatre considérations pour éclairer notre thème d'aujourd'hui, la situation du chrétien dans le monde. Ce seront les quatre parties de ma conférence. Premièrement, le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit quelqu'un pour l'envoyer. Ce que les théologiens appellent l'élection. Deuxièmement, pour comprendre la mission du chrétien dans le monde, regardons le Christ, car le Christ est le premier missionnaire. Troisièmement, pour pouvoir exercer une mission, le chrétien a besoin d'abord de trouver sa place dans le monde. Le chrétien, la situation du chrétien dans le monde. Et quatrièmement, dans notre monde en mutation, je m'arrêterai sur l'enjeu de l'intériorité. Alors, première partie, le choix de Dieu. Comment est-ce que Isaïe exprime ce choix de Dieu sur lui? Eh bien, nous l'avons entendu à l'instant, lorsqu'il dit « Mes yeux ont vu le Seigneur, le roi de l'univers ». Pour Isaïe, ce n'est pas de la même manière pour chaque prophète. Pour Isaïe, c'est une vision. Une vision qui l'éblouit et qui va l'accompagner toute sa vie. Étrangement, cela sera le lieu d'une culpabilité. De fait, lors de son cri d'effroi, ce qui trouble Isaïe, ce n'est pas seulement le sentiment de son indignité en face du Seigneur, mais nous remarquons, c'est le fait de voir que par rapport à sa génération, il éprouve, il ne se sent pas meilleur que les autres. Il n'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Autrement dit, il n'est pas préservé. Je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors de quel droit serais-je prophète dans ma génération? Ne dois-je pas commencer par me convertir? Que pourrais-je donc dire aux hommes de ma génération, puisque je ne suis pas différent des autres, pas meilleur? Isaïe connaît les mêmes fragilités et peut-être les mêmes péchés. En 2013, la même
culpabilité censure de nombreux croyants qui aimeraient témoigner, mais éprouvent les mêmes difficultés de vie que leur génération et les mêmes complicités avec les forces du mal. En 2013, il est difficile d'être différent. Il est difficile de sortir de la norme. Être quelqu'un d'à part est difficilement supportable. D'où cette résistance intérieure qui te défend d'être différent des autres. Je ne serais pas étonné qu'une partie de toi résiste à l'idée d'être choisi. Moi aussi, j'aime être estimé à ma juste valeur. Je n'ai pas envie d'être mis sur un piédestal ou traité comme une personne spéciale. Or, comme toi, je perçois que lorsqu'on est considéré comme quelqu'un de choisi, on est autant sujet à l'admiration qu'à la persécution. La question est donc, comment entrer en contact avec notre état de choisi alors que nous vivons dans un monde égalitaire? Comment consentir à être choisi? Il y a là un vrai lieu de discernement personnel. Or, c'est l'enjeu de l'élection dans la Bible. L'histoire biblique est tout entière traversée par l'expérience de l'élection, du choix de Dieu. Dieu choisit Abraham, Dieu choisit Moïse, Isaïe, Jérémie, Marie. Et puis dans le Nouveau Testament, Jésus choisit Pierre, Jacques, Jean. Et Jésus est l'accomplissement de cet élu qui fait que nous l'entendons dire dans l'évangile de Saint Luc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. » À travers ce récit du prophète, sa vocation, nous percevons quelque chose de la pédagogie de Dieu sur son élu. Tout d'abord, nous voyons, Isaïe est attiré par la beauté de Dieu et il s'en approche. Deuxièmement, il se laisse fasciner par cette lumière et cette lumière dévoile son péché. Troisièmement, mais Dieu ne laisse pas son élu demeurer dans le trouble et il envoie son ange pour une purification qui le libère. Quatrièmement, en même temps que cette purification le libère du trouble et de la culpabilité, la purification le rend apte à entendre l'appel. Extraordinaire parabole de la situation du disciple aujourd'hui. Car toute expérience spirituelle, authentique, place le disciple dans la vérité de son existence. Il est conduit au réalisme et à l'humilité, deux attitudes nécessaires pour recevoir une mission auprès de sa génération. Oui, à l'homme contemporain, il faut une véritable force intérieure pour agir à l'encontre des conformismes. Il faut une force d'âme pour oser un geste libre au milieu de sa génération. Ce que fait apparaître le récit de la vocation d'Isaïe, c'est que lorsque le croyant pense sa relation au monde, il est renvoyé à sa relation à Dieu. Et dès lors qu'il pense son engagement extérieur, il est renvoyé à sa fidélité intérieure. Extériorité et intériorité s'articulent. L'engagement auprès des autres renvoie le croyant à sa propre cohérence de vie, ainsi qu'à sa finitude et à ses infidélités. Suis-je digne ? Suis-je digne ? Voilà une question qui ne laisse pas de repos, car l'engagement extérieur convoque le croyant à sa cohérence de vie. Se dire croyant, c'est s'exposer. Quelle que soit notre action, celle-ci témoigne. Et l'on comprend qu'il puisse être plus confortable de renvoyer l'appartenance religieuse à la sphère privée.
Un lycéen m'écrivait dans une lettre « Ce n'est pas facile à assumer sa foi car les gens se moquent. » Mais d'où vient cette question? Comment se fait-il que l'homme se pose la question de sa cohérence de vie? Pourquoi l'être humain ne trouve-t-il pas de repos? Pourquoi est-il éternel insatisfait? Est-il anormal d'avoir un questionnement existentiel? Un autre collégien m'écrivait en demandant sa confirmation et me disait comment il découvrait la voie de sa conscience. Alors je le cite, « Je désire que l'Esprit-Saint mette en mon cœur une flamme qui m'éloigne du mal et me rapproche du bien, qu'il me donne un regard meilleur sur les autres, qu'il mette en moi l'amour de Dieu et que je puisse le partager à mon entourage. » Merveilleuse découverte, dès l'adolescence, de cette voie intérieure, la conscience. Ce qui caractérise la personne humaine, c'est d'être habité par une conscience personnelle. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Quelle est donc cette loi? C'est une voie. Une voie qui ne cesse de le presser d'accomplir ce qui est bien et d'éviter ce qui est mal. Cette voie, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Bonne nouvelle, j'ai une conscience. C'est un rendez-vous personnel. J'ai ma conscience, tu as ta conscience. Ta conscience personnelle a autant de valeur que celle de Aung San Suu Kyi, une force immense pour résister, résister à la violence, résister aux préapensées. Ta conscience a autant de valeur que celle de Benoît XVI. Et j'ai plaisir à redire les mots qu'il a confiés le lundi 11 février, lorsqu'il disait, en latin mais je vais le dire en français, « Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à plusieurs reprises, j'ai décidé de remettre ma charge. » À tout moment, l'homme est attendu au rendez-vous de sa conscience. Ajoutons, tout homme a le devoir d'agir selon sa conscience. Chacun de nous peut se fier, doit se fier à sa conscience. Et c'est une très bonne nouvelle. Et le monde va d'autant mieux qu'un plus grand nombre de personnes se conduit dans la vie selon sa conscience personnelle. Après la question du choix de Dieu et de la conscience de l'homme, observons Jésus. C'est ma deuxième partie. Jésus est le premier missionnaire. Dans l'histoire des hommes, la question de la mission ne se pose pas de la même manière selon que l'on se situe avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Dit autrement, la mission dans le monde n'est pas de même nature pour le juif ou l'acteur de la première alliance et pour le chrétien. Tout change dans l'événement de l'incarnation. Si la mission du juif est d'être signe du choix de Dieu parmi les nations, celle du chrétien est inséparable de l'événement de l'incarnation du Fils de Dieu qui opère un nouveau rapport au monde. Trois chiffres symbolisent la vie de Jésus-Christ sur la terre. 30 ans, 3 ans, 3 jours. 30 ans, c'est la vie cachée. 3 ans, c'est la vie publique de Jésus, son ministère public. 3 jours, sa passion, sa mort et sa résurrection. 3 chiffres pour exprimer l'universalité de sa mission, pour comprendre sa mission sur la terre. Alors je vais les développer en sens inversé, chronologiquement. Je vais commencer par les 3 jours, puis les 3 ans, puis les 30 ans. 3 jours. 3 jours,
c'est la Pâque de Jésus. Mon sang versé pour vous et pour la multitude. En ce moment unique, Jésus, cloué sur la croix, pense à tous les hommes. Mon sang versé pour vous et pour la multitude. Il pense à tous les hommes de tous les temps, des milliards. L'acte qu'il pose en donnant sa vie, en versant son sang, atteint tous les hommes depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps. Il y a une puissance incroyable de cet événement. Bien sûr, extérieurement, on ne voit qu'un prisonnier en train d'être torturé. Mais il y a ce qu'on ne voit pas, car l'essentiel est invisible à l'œil. Ce que personne ne voit, sauf Dieu, le Père, c'est que Jésus est en train de changer la face du monde. Au lieu de subir passivement un supplice, il donne sa vie. Il n'y a pas d'homme plus libre que lui. Jamais homme n'a aimé comme lui. Pas de haine, pas de colère, pas de rancœur, pas de jugement, pas d'agressivité. Enfin, un homme qui ne répond que par l'amour, la bonté. Il est totalement innocent. La face du monde est en train de changer. L'homme n'est pas condamné à la fatalité de rendre le mal pour le mal. Devant Jésus, en croix, l'homme prend conscience qu'il porte au fond de lui un espace d'innocence. Quelque part, tout homme, toute femme porte en lui quelque chose de totalement virginal et Jésus le révèle. Oui, sur la croix éclate l'universalité de sa mission. 3 ans. 3 ans, c'est le temps du ministère public de Jésus. Entre 30 ans et 33 ans, il marche sur les routes, il fait de multiples rencontres, des gens qui vont bien, des gens à qui il demande de le suivre, des gens en souffrance, à qui il apporte soulagement, parfois même guérison. Il va dans les synagogues, il enseigne, beaucoup de contacts, beaucoup d'enseignements, beaucoup de guérisons et de miracles. Et puis il forme ses apôtres à la mission. Pendant ces 3 ans, Jésus est totalement en contact avec le monde, mais pas tout le monde. Et de fait, il ne va ni à Rome, qui est la capitale politique, ni en Chine, où la civilisation est bien plus avancée, ni en Afrique. Il ne va même pas dans les pays limitrophes d'Israël, l'Égypte, la Jordanie, le Liban. Mesurez bien ce détail si important. Il vient pour sauver tous les hommes. Or, durant les 3 ans de son ministère public, il ne fréquente que les habitants de ce qu'on appelle à l'époque la Palestine. Durant ces 3 ans, il consent à être limité. Alors que dire des 30 ans? Car de 0 à 30 ans, Jésus habite Nazareth. Une fois par an, il va en pèlerinage à Jérusalem. Le reste du temps, il ne fréquente que les habitants, quelques centaines d'habitants de Nazareth et des environs. Imaginez-vous que son réseau de relations est vraisemblablement plus réduit que le vôtre. Et lorsqu'il a entre 15 et 18 ans, comme tout adolescent, il est en apprentissage pour devenir menuisier. Il habite chez ses parents. Le soir, on dîne ensemble. Il va aussi sur des chantiers de construction dans les villages alentours. Quel peut être son état d'esprit durant ces longues années? Pour moi, cette question est une source d'inspiration profonde. Je me suis demandé d'ailleurs si durant toutes ces années, il ne se rongeait pas les ongles en se disant « Quand est-ce que ça commence, ma mission ?» Non, je ne pense pas. Probablement, rêve-t-il de changer le monde?
puisqu'il est envoyé pour changer la face du monde. Mais en ce moment, où il habite Nazareth, il accomplit sa mission en étant menuisier et il y trouve son bonheur. Il sait qu'il fait ainsi la volonté de son Père. Bien sûr, il est venu sur la terre pour sauver tous les hommes, mais ce n'est pas encore son heure. Chers amis, que notre vie ordinaire a de prix quand on contemple le quotidien de Jésus durant ses 30 ans. C'est vraiment source d'inspiration. Ce n'est pas son heure encore de partir sur les routes et vers les villes, mais c'est son heure de rendre service dans son entourage, de prier non seulement pour les habitants de Nazareth, mais pour tous les hommes, pour toute situation de souffrance et d'injustice. Trois chiffres, donc, qui symbolisent la mission de Jésus sur la terre. Trois jours qui dévoilent l'universalité de sa mission. Trois ans qui attestent que le plus grand missionnaire était limité par les contingences du temps et de l'espace. 30 ans pour nous prouver que le premier rendez-vous de la mission est la fidélité aux exigences ordinaires de la vie quotidienne. 3 jours, 3 ans, 30 ans, c'est l'incarnation. Le Concile de Vatican II affirme avec audace, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme. Incroyable affirmation. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme. C'est la grande réalité de l'incarnation du Fils de Dieu. Et le rapport au monde du chrétien est éclairé d'une lumière nouvelle. Notre humanité est en quelque sorte soulevée. Elle reçoit une dignité particulière. Oui, par son incarnation, le Christ donne une densité au monde dans lequel nous vivons. Et du coup, cela donne aux chrétiens une responsabilité particulière à l'égard de chaque homme. Nous ne pouvons plus regarder l'homme de la même manière. Il a reçu une densité nouvelle. Toute notre humanité est assumée par le Verbe de Dieu. Notre humanité devient donc le lieu privilégié de la rencontre du Verbe de Dieu. En particulier, cela donne une consistance nouvelle au travail de l'homme, à la vie professionnelle. L'âge antique introduisait une différenciation entre les hommes selon le type de travail qu'ils exerçaient. Le travail manuel n'était pas digne de l'homme libre. Le christianisme accomplit une transformation fondamentale. Puisque le Fils de Dieu a passé la plus grande partie de sa vie sur la terre au travail manuel, comme charpentier. Ainsi, le travail humain trouve désormais sa dignité du fait de celui qui l'exécute est une personne humaine. C'est l'homme qui est le sujet. Dans un pays comme la France, où le taux de chômage dépasse 10%, c'est évidemment une raison supplémentaire d'en souligner la gravité. Arrivons à la troisième partie, le chrétien dans le monde, situation du chrétien dans le monde. Isaïe observe le monde autour de lui et il gémit. « Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'une génération aux lèvres impures. » Quel regard porter sur le monde? Regard optimiste? Regard pessimiste? Lors du Concile Vatican II, il y a 50 ans, les débats partageront les évêques. Regard optimiste pour les uns, pessimiste pour les autres. Et si on prend du recul, la grande tradition de l'Église
la grande tradition chrétienne, est traversée par des points de vue divergents, différents tout au moins. Ainsi, les propos paisibles d'un Dioniète qui dit « Les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. L'âme est répandue dans toutes les parties du corps. Les chrétiens sont dans toutes les parties de la terre. L'âme habite le corps sans être du corps. Les chrétiens sont dans le monde sans être du monde. L'âme, invisible par nature, est placée dans un corps visible qui est sa demeure. » Et en face, écoutons les propos tourmentés d'un saint Augustin. « Tu es étonné que le monde touche à sa fin. Le Christ te dit, le monde s'en va, le monde est vieux, le monde succombe, mais ne crains rien, car ta jeunesse se renouvellera comme celle de l'aigle. » Optimiste ou pessimiste, c'est en tout cas un regard profondément humain qui se pose sur le monde lors du Concile Vatican II. Et je cite le commencement de Gaudium et Spes. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. » Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Optimiste ou pessimiste, ainsi aussi le regard des chrétiens au gré des époques et des tempéraments. Mais ce qui est intéressant, ni l'une ni l'autre de ces deux attitudes n'empêche le disciple du Christ de contempler en lui la source d'un agir engagé. S'engager, prendre sa part dans la construction de la cité, voilà le beau défi. Ce fut l'expérience d'un Frédéric Ozanam, lorsqu'à l'âge de 20 ans, l'un de ses camarades, agnostique, à qui Frédéric faisait l'apologie de l'Évangile, lui répliqua « Vous, qui vous vantez d'être catholique, que faites-vous ? Où sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter ?» On est en 1833, Frédéric a 20 ans, il est étudiant. Le coup l'atteint en profondeur. Il dira plus tard « Ce reproche n'était que trop mérité. Eh bien, à l'œuvre et que nos actes soient en accord avec notre foi. » Cette réplique pouvait intimider plus d'un chrétien. Elle libéra en Ozanam la capacité d'un engagement en acte au service des pauvres. Ce premier engagement structura en lui une vie d'adulte engagé, ce qu'il fit dans l'Église, mais ce qu'il fit aussi comme journaliste, et puis encore plus lorsqu'il fut enseignant, en particulier en Sorbonne, par la qualité de son enseignement et l'intégralité de son comportement au sein du corps enseignant de Sorbonne. Un grand courant d'engagement chrétien au sein des réalités de la société s'inscrit dans son sillage jusqu'à aujourd'hui. Cette question de l'engagement dans les réalités de la cité se pose à certains tournants de la vie. Quelle est ma place? Quelle est ma place dans ce monde? Ai-je une mission sur la terre? Suis-je ici par hasard ou pour un projet? Ainsi me la posait un lycéen, passionné de moto et de Formule 1, pas dépressif pour deux sous, qui m'écrivait à l'occasion de sa confirmation, et je cite, « Je me pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi pour me mettre sur sa terre ? L'étape de ma vie où j'en suis représente un tournant,
J'ai envie de vivre parce que la vie est un trésor que Dieu nous a offert. Cela m'inspire de faire des gestes pour les gens qui sont pauvres. J'estime avoir de la chance par rapport à d'autres enfants du monde. Voilà bien une question déterminante. Voilà une question qui donne orientation à toute une vie. Voilà, à vrai dire, un questionnement qui ouvre l'horizon. Trouver sa place dans la société. Ce n'est pas une chose simple. La difficulté aujourd'hui pour trouver un job est réelle. Et quand on a trouvé un job, il faut prendre sa place dans le monde du travail, ce qui demande une énergie importante. Dans une société en période de crise, trouver sa place et prendre sa place est une vraie question, car les rôles ne sont pas déterminés d'avance. Chacun doit inventer son avenir dans la société. Et d'ailleurs, fonder une famille n'est pas facile non plus, car chaque couple doit inventer son couple et inventer sa famille. Reproduire ce que la génération précédente a fait ne suffit plus. Alors j'en arrive, quatrième partie, dans notre monde en mutation, l'enjeu de l'intériorité. Et c'est vers Edith Stein que je me tourne pour conclure. Pour elle, la question « Quelle est ma place dans le monde ?» est au cœur de l'attitude missionnaire. La question de l'intériorité, la question de l'écoute, est inséparable de la question de la mission. Edith Stein est une lumière dans notre monde, juive de naissance. Elle est née en 1891. Chrétienne par conversion, elle reçoit le baptême en 1922. Enseignante par passion, carmélite par vocation, elle entre au Carmel en 1933. Elle connaît le martyre à Auschwitz, où elle est déportée, et elle meurt le 9 août 1942. Lucide. Lucide face aux grandes questions de son époque et aux risques qui la menacent. Elle reste debout, elle résiste et elle marche. Trois attitudes chrétiennes au cœur du monde. Se tenir debout, sous le regard de Dieu. Entrer en résistance, ce qui est un acte supérieur d'espérance. Et marcher, ce qui caractérise le saint. Le saint, lorsqu'il chute, il se relève et il marche. Comment est-elle demeurée debout, sainte Edith Stein? Comment a-t-elle résisté? Comment a-t-elle continué à marcher quand la vie était devenue une impasse, et surtout à partir de 1933, quand le nazisme est en train de s'étendre? Dans sa propre relation au monde, nous avons un repère très sûr. Edith a une réelle empathie pour le monde dans lequel elle vit et dans lequel elle s'est beaucoup investie. Au moment de sa conversion, une hésitation cependant, car son premier réflexe fut de s'éloigner du monde, de se mettre en retrait. Et puis, assez rapidement, elle va reprendre conscience de son implication dans le monde. Et je cite un témoignage qu'elle nous fait. À l'époque qui précéda immédiatement ma conversion, et durant toute une période ensuite, j'ai pensé que vivre la religion signifiait faire abstraction de tout ce qui est terrestre pour ne vivre qu'en pensant aux choses de Dieu. Mais j'ai progressivement compris qu'il nous est demandé autre chose en ce monde, et que même dans la vie la plus contemplative, on n'a pas le droit de couper la relation avec le monde. Je crois même que plus on est attiré profondément en Dieu, plus il faut aussi, en ce sens, sortir de soi, c'est-à-dire aller vers le monde pour y porter la vie divine. Il y a donc un lien entre la qualité du cœur profond
est la capacité de communiquer avec le monde. Un lien entre le fond intime et les questions de notre temps. Un lien entre intériorité et ouverture aux autres. Pourquoi serions-nous craintifs dans le voyage intérieur si c'est lui qui donne accès à une présence plus engagée auprès de notre génération? Et je cite encore. C'est l'enjeu pour Edith Stein de l'écoute intérieure. Edith situe le point de contact entre l'intériorité de la personne et sa capacité à entendre les questions fondamentales de ce temps, je la cite, « L'homme est appelé à vivre en son fond intime et de là à prendre en main la conduite de sa vie. Ce n'est qu'à partir de là également que la vraie discussion avec le monde devient possible. » Et elle ajoute, « C'est seulement à partir de là que l'homme peut découvrir la place qui lui est assignée en ce monde. » Découvrir la place qui lui est assignée en ce monde. Je vis dans le monde et simultanément, je sens le monde pénétrer en moi. Parfois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne me reconnais pas, je ne me comprends pas. L'écho du monde en moi m'effraie. Je m'étonne. Je m'étonne alors que je désire sincèrement pardonner, de prendre conscience que je suis dans l'incapacité de pardonner telle personne. Je m'étonne lorsque je vois certains comportements affectifs désordonnés, de les retrouver à l'état de tendance en moi. J'en éprouve une déstabilisation, je touche ma vulnérabilité, je touche ma finitude. Je m'étonne quand Dieu se cache. Nombreux sont les femmes et les hommes qui ignorent la présence de Dieu. Je me laisse troubler de ce qu'à moi, l'homme de Dieu, il se cache. Il semble, en certaines périodes, disparaître. Pourquoi Dieu se cache? Toute la Bible est habitée par cette question. Pourquoi es-tu un Dieu qui te cache? Il semble tellement évident à l'homme que si Dieu était plus visible, les gens viendraient plus vers lui et la face du monde en serait changée. Toute la Bible est habitée par cette question. Et le prophète Isaïe, passé au creuset de cette question, confesse d'une manière sublime, « Vraiment, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Caché et Sauveur. Voilà deux qualités inséparables du Dieu de la Bible. Caché et Sauveur. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Nous vivons dans le monde du visible et Dieu, par nature, est invisible. Pourquoi se cache-t-il? Afin que l'homme continue à le chercher. Merci.
Seigneur Jésus, toi que nous adorons en ce très saint sacrement, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Toi qui ne cesses d'appeler les hommes et les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain à marcher à ta suite. Ô toi, Seigneur, tu as appelé le prophète Isaïe. Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Tu l'as purifié. Tu as purifié ses lèvres pour que ses lèvres puissent annoncer ta parole de lumière. Tu as purifié son cœur pour que son cœur puisse aimer comme tu aimes. Tu as transformé son regard pour que son regard puisse voir le Dieu caché et le révéler au monde. Seigneur, dans ta bonté, tu appelles l'homme à communier à ta lumière, à marcher à ta lumière, à témoigner de ta lumière. Seigneur, entends les peurs des hommes que tu appelles. Comme Jérémie qui s'écrie « Je suis trop jeune, je ne sais pas parler. Va, je t'envoie. » Et Jérémie osa parler. Il osa annoncer. Tant d'hommes, tant de femmes sont appelés encore aujourd'hui. Ils n'osent pas, mais tu mettras sur leurs lèvres ta parole de vie. Tu mettras dans leur cœur ton souffle d'amour. Tu mettras dans leurs gestes la lumière de la vie et de l'espérance. Tu mettras dans leur corps la force du courage, car tu donnes à l'homme, dans les sacrements, ta puissance qui se déploie dans notre faiblesse humaine. Nous le savons, nous sommes vulnérables, mais nous le savons, cette vulnérabilité est la porte par laquelle tu entres dans nos vies pour donner à nos vies de resplendir de ta lumière, alors même que nous ne sommes que fragilité. Ta lumière a resplendi dans les ténèbres, ta vie a resplendi dans la mort, la bonne nouvelle a resplendi et resplendi sur les routes du monde. Sois loué, Seigneur, toi que nous adorons, tu es notre Sauveur et tu rejoins tout homme. Tu veux rejoindre tout homme parce que, oui, Seigneur, tu as entendu le cri des hommes. Tu as vu la misère de ton peuple. Tu as entendu le cri des otages, la souffrance des gens qui n'ont pas de quoi vivre ou de quoi se nourrir. Tu as entendu la douleur des parents. Tu as entendu la détresse des jeunes. Tu as entendu
tous ceux qui aspirent à un sens, tu as entendu les amours trahis, tu as entendu l'homme rongé par la solitude, tu as découvert et tu as manifesté, tu as révélé ta miséricorde. Tu es le Dieu du salut et nous te rendons grâce. Sur les bords du lac de Galilée, Seigneur, tu invitais tes premiers disciples à avancer au large. Duc in altum, sois conduit au large, sois conduit dans la profondeur. Alors même que nous sommes devant toi et que nous t'adorons, et que nous rendons grâce pour l'infinie miséricorde du très saint sacrement que tu nous livres, de ta présence qui se donne à nous et qui nous guérit, alors même que nous t'adorons. Nous sommes conduits par toi dans les profondeurs de notre être et de notre humanité. Nous sommes conduits dans la profondeur de notre corps où notre âme vient comme éclairer notre corps pour que notre corps, animé par l'âme, devienne un chemin de lumière pour nos frères et un guide pour la joie. Tu nous appelles, Seigneur, à avancer au large et à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer ta victoire, à annoncer que tu es là, présent en nous, au milieu de nous. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Verbe incarné qui a renversé l'histoire du monde.
sans cesse, nous regardons ces trois jours qui auront changé l'histoire de l'humanité. Ce dernier repas, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Prenez, venez, montons. Montons jusqu'à la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Père, je te loue d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de le révéler aux tout petits, à ceux qui ont le cœur simple. Père, nous regardons ton Fils crucifié. De son côté ouvert coula l'eau et le sang, l'eau du baptême, et nous portons vers toi nos 450 catéchumènes adultes et jeunes du diocèse de Paris qui vont recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie en la nuit de Pâques. Donne-leur de marcher avec force et courage vers cette joie baptismale. Du côté du Christ coula l'eau de ce baptême et le sang de l'Eucharistie. Sang versé pour nous, alliance entre Dieu et les hommes. Et par ce don que tu nous fais dans nos veines humaines, coule le sang de notre Dieu et de son amour. Nous sommes les réceptacles. Au cœur même d'un amour limité, de cet amour illimité et infini que tu verses de ton côté et que la mort n'a pu arrêter, car tu es le ressuscité et le vivant pour toujours. Nous regardons ces trois ans de la bonne nouvelle annoncée sur les routes de Galilée et de la Décapole, de la Judée et de la Samarie. Mais ces trois ans, Seigneur, c'est un temps éternel. Aujourd'hui encore, ton Église ne cesse d'annoncer cette bonne nouvelle du salut. Et la mission, elle est là. La puissance de ton Esprit, il est là, nous donnant de porter la bonne nouvelle. Il est ressuscité d'entre les morts et nous en sommes témoins. Il est vivant. Thomas a mis ses mains dans son côté, ses mains dans ses plaies. C'est bien lui. Ce n'est pas un fantôme. Il n'est pas revenu du royaume des morts. C'est un vivant qui nous appelle à la vie. L'homme va vers la vie. Il ne va pas vers la mort. Il va vers l'amour. Il ne va pas vers la haine. L'homme, tu en as fait ton fils par adoption et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce avec tous les saints, l'immense cortège des saints, avec Edith Stein, avec Maximilien Kolb, avec Saint Vincent de Paul, avec Ozanam, avec Saint Marcel, avec Saint Denis, avec Saint Irénée, avec tous les saints. Oui, ils sont des lumières qui reflètent ta lumière et nous donnent alors de savoir que tu es vivant et d'éclairer le monde de la force de ton espérance qui déjà resplendit en eux
et nous donne de marcher avec force, portée par le très saint sacrement que nous adorons. Tantum ergo sacramentum, venerem celui, et anticum documentum, novo cera tritui. Restes fides supplementum, sensum, Procedentia ut roque, omnes sit la
Mmh.